Bienvenue sur la chaîne d'AFTU Vidéo. Ici tu peux trouver tous les jeux dispo, du Tomb Raider en passant par Deadpool, Dying Light ainsi que ce vieux jeu doux. De multiples séries sont présentes ici. Fais comme chez toi, poste tes likes ici. Je le fais pour vous, puis c'est ma passion. Le recording toujours à fond, sans oublier le côté colis présentation. Être un heroes comme dans Caisse Dragoon. Plus de 400 vidéos sur ma chaîne gratuitement. Clique sur le bouton pour t'abonner maintenant. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Gravity Rush. Donc c'est parti pour le deuxième épisode. Qu'est-ce qui se passe là? On va enfin pouvoir se battre peut-être. En tout cas, oui, la fille de l'autre, de la même espèce que nous, en fait, est recherchée, donc on verra ce qui va se passer. Voilà, donc carré pour donner les coups de pied. Oula. Esquiver. Ok, pas de soucis. Pour l'instant, c'est que des ennemis basiques pour donner un coup de pied gravitationnel. Ah ok, donc je peux me mettre en apesanteur pour donner des sacrés coups de pied. D'accord. Ah, il y en a qui volent aussi, c'est pour ça qu'ils ont parlé de ça. En fait, dès qu'il y a le cercle rouge, j'appuie sur carré et ça va le taper en gros. Qu'est-ce qui se passe? Alors, repère des ennemis. Voilà. Ah, parfait. Ok, donc là il y aura un peu plus, il y aura quelques combats, je pense que ça devrait être sympa. Je sais pas s'il y a des combats aléatoires un peu en se promenant. Ou si c'est vraiment que du linéaire. Ok. Sauvegarde auto, afficher la carte. Destination, position actuelle. Je vois pas ma position au final. En tout cas, destination, c'est ici.
C'est bon, je peux bouger. Alors, bon, on va y aller en volant. En fait, faut m'arrêter de temps en temps. Parce que quand on tombe pendant trop longtemps, bah on meurt tout simplement. Hop. Ah, j'ai une jauge aussi de gravité. Oh merde, j'ai pas vu. Bon, du coup, je m'écrase juste par terre quand j'ai plus de gravité, quoi. Et c'est instantané pour recharger la barre, donc c'est très bien. Alors, commencer la mission. Je vais attraper des gemmes en train de voler. Il y en a une autre par là. Très bien. Voilà. Atterrissage. Alors, il y en a par là-bas. J'ai pu avoir de gravité déjà. Je vais en choper combien des machins comme ça là? Huit. Tutoriel disponible, qu'est-ce qu'ils me disent? Ok, donc en gros ils disent que l'écharpe et les cheveux subissent tout le temps les lois de la gravité, ce qui fait qu'on peut se repérer par rapport à ça quand on sait plus trop où on est. Voilà. Parfait. Là normalement je devrais juste atterrir. Est-ce qu'on peut tomber de très haut? Ouais, je vais quand même amortir la chute, on sait jamais. Voilà, bingo. Alors, nécessite 7 gemmes, j'en ai 10. Ah, parfait, mission accomplie. Nous a payé avec les gemmes qu'on a ramassées, quoi. Alors, afficher la carte. Pourquoi il me demande d'afficher la carte? Sélectionner l'onglet personnalisé. Ah oui. Mission personnalisée. Parfait. Ah, puis avec les gemmes, je peux améliorer mes stats. Donc, consommation de la jauge, santé, etc. Temps de recharge, vitesse d'inversion de gravité. Bon, là, on peut augmenter qu'une seule chose avec 3 gemmes. Donc, consommation de la jauge. C'est bon. Ah, faut garder appuyé, ok, pardon. Parfait, parfait. Bon, bah après, tout est à 50, donc faudra voir par la suite. Ah oui, il y a attaque spéciale, pouvoir de combat. Ah oui, mais il y a des trucs, ça prend masse de joyaux, ça, attaque spéciale, donc il n'y a rien pour l'instant. Ah oui. Donc il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses dans le jeu. Pourquoi ça me demande d'afficher la carte quand je vais là-dessus? Oh là, il y a plein de trucs qui sont apparus. Bouche d'égout la plus proche, il n'y en a pas. Position actuelle, je suis là. Prochaine destination, c'est parti. Je vais quand même parler, vu qu'il y a des gens sur la map à qui on peut parler. Voir si ce qu'ils disent, si c'est des quêtes ou pas.
Ok, donc c'était une conversation sans intérêt. Commencer la mission. Ah. Ah bah dans les égouts. Tu vas l'avoir ta douche. Peut-être pas chaude par contre. C'est quoi ces égouts quoi? Ok, donc bah voilà sa nouvelle maison maintenant. Elle va habiter dans les égouts, c'est vachement original. Donc bah, je vais arrêter sur cette. Je vais arrêter là tout simplement à la fin de cet épisode. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. N'hésitez pas également à liker s'il vous a plu. Donc merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde!